à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Débrief. Je suis ravie, avec toute l'équipe et avec nos invités, de vous retrouver comme chaque mercredi pour décrypter ensemble l'actualité de la semaine. Et l'actu, c'est d'abord la visite du Premier ministre français Édouard Philippe au Maroc. Une visite de 2 jours au cours de laquelle il préside avec son homologue marocain, le Premier ministre Saad Dine El Outmani, la 13e rencontre de haut sommet à Rabat. Et également, il inaugurera avec lui le Forum économique franco-marocain qui réunira plus de 130 entreprises. On revient donc aujourd'hui sur les axes de ce partenariat stratégique France-Maroc et sur la vision développée par Emmanuel Macron et son gouvernement sur ce partenariat. Et puis en deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur la démission de Saad Hariri, le Premier ministre libanais. Il s'est exprimé dimanche dernier sur une chaîne de son parti pour affirmer sa démission mais son désir aussi de revenir au Liban. Nous reviendrons sur les conséquences de sa décision pour le Liban mais pour la région également. Et pour nous accompagner aujourd'hui dans le débrief, nous recevons Naïm Kamel, directeur de publication de Quid.ma. Bonjour Naïm, vous allez bien ? Ben oui, le WAC a remporté la Coupe des clubs champions. Le Maroc s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Il nous faut un peu de pluie, tout ira pour le mieux. Merci Naïm. À vos côtés, Aziz Boustan, directeur de publication du Panora Post et de Moatin. Merci d'être avec nous, Aziz. Je vous en prie. Et enfin, j'ajouterai également... J'ajouterais aussi qu'on a un satellite en orbite. Pour oui. continuer sur ce tour. C'est bien, le mois de novembre est le mois de bonnes nouvelles. Et M. Abd Hafid Walalou, vice-président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Bonjour M. Walalou. Bonjour, et merci pour l'invitation. Et spasiba pour l'équipe marocaine. Spasiba, c'est merci en Russie. Ah ben voilà, comme ça on va se mettre tous aux Russes. Merci en tous les cas messieurs d'être avec nous. Alors je le disais, la première actu sur laquelle on s'arrête aujourd'hui, c'est la visite du Premier ministre français, Édouard Philippe, au Maroc. Alors c'est la 3e personnalité de haut plan politique à venir au Maroc depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Le président français était venu les 14 et 15 juin dernier. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, était là le 9 octobre. Et c'est maintenant le Premier ministre qui est en visite. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un renforcement de l'activité diplomatique française vers le Maroc? Naïm Kamel. Certainement. Si vous voyez le communiqué du gouvernement français annonçant la visite d'Édouard Philippe, il dit que c'est une visite qui se déroule dans un contexte d'amitié exceptionnel. Donc ça veut tout dire. En même temps, on sait qu'il y a aujourd'hui une interpénétration des économies des deux pays. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coopération, beaucoup de rapports. Et bon, mais on va dire qu'en même temps, le jour même, enfin, de l'annonce de la visite d'Édouard Philippe, Emmanuel Macron n'a pas manqué l'occasion d'un bain de foule pour répondre à une question, paraît-il, inopinée. Lors d'une visite à Tourcoing, dans le Nord. À Tourcoing, dans le Nord, pour annoncer sa visite le 6 décembre en Algérie. Donc on est toujours dans le même jeu d'équilibre, même si... mais ça, on pourra y revenir. Il y a quelque chose dans le communiqué du gouvernement français qui risque de faire mal quelque part à Alger. C'est que l'un des axes de cette visite, c'est que le Maroc et la France vont se pencher sur la mise en œuvre de la coopération pour le développement de l'Afrique. Et on sait oui, que... c'est un des axes, mais vous prenez de l'avance, on va y revenir tout à l'heure. D'accord. C'est un des axes de ce partenariat France-Maroc, on y revient tout à l'heure. Pour finir le tour de table, Aziz Bousta, votre regard, votre analyse sur ces visites à intervalles finalement très rapprochés de hauts responsables français au Maroc. Vous savez, il ne faut pas attendre, à mon sens, les visites des hauts responsables pour constater l'amitié qui est assez, le rapprochement ou la proximité qui existe entre Rabat et Paris. Comme on dit, des grandes disputes naissent ou à force se renforcent les grandes amitiés. Et bon, il y a eu donc cette grave crise en 2014 et depuis, ça monte, depuis ça s'arrange, depuis les relations vont de mieux en mieux. Mais il faut dire aussi que bon, un État, vous savez, n'a pas tellement d'amis, un État a seulement des intérêts. Et les 3 ou 4 grandes priorités de la présidence Macron et du gouvernement Philippe, c'est le développement, c'est la sécurité, ce sont les migrations et c'est le climat. Autant de sujets dans lesquels le Maroc, à défaut d'exceller, est du moins très bien placé. Et donc je pense que ça va tourner autour de ça. Et après, pour les relations, bon, elles remontent à plusieurs siècles entre le Maroc et la France, avec des hauts et des bas. On espère qu'il y ait des hauts. Abdelhafid Walalou.
Édouard Philippe connaît très bien le Maroc, puisqu'il était déjà en visite à Tanger à la rencontre Médès. Maire du Havre. Maire du Havre, il a d'ailleurs signé un jumelage avec la ville du Havre. Il a fait un jumelage entre le Havre et Tanger quand il était maire de cette ville d'Atlantique. Je pense que… Normande. Notre entraîneur de l'équipe nationale souhaitait une rencontre entre la France et le Maroc pour la Coupe du Monde qui se déroule en Russie. Donc déjà, nous souhaitons aussi avoir des rencontres amicales sur le plan sportif, mais cette visite, elle sera plus importante parce qu'elle traitera l'économie, le co-développement, l'Afrique, l'environnement, la COP 23, l'enseignement, la formation. La sécurité. Alors la sécurité, justement. Ce sont des thèmes qui seront traités certainement durant ces deux jours de visite de M. Édouard Philippe. Alors avant de passer justement au volet économique, puisque cette visite est marquée par deux grands temps économiques, je le disais, la 13e rencontre de haut niveau et le forum des économiques Maroc-France, est-ce qu'on peut revenir sur les visions déjà qui se sont un peu dégagées des deux visites d'Emmanuel Macron et de Jean-Yves Le Drian lors de leurs visites respectives? On se souvient du discours d'Emmanuel Macron en juin dernier au Maroc. Il avait déjà dressé la vision qu'il avait de la coopération marocaine. Alors je cite juste un extrait de sa conférence de presse. Nous avons évoqué les projets économiques en cours, en particulier dès demain l'ouverture d'une usine, mais tous les projets qui émaillent et vont jalonner les prochains mois de la relation entre nos pays, les projets culturels et éducatifs et la volonté qui est la mienne de développer encore davantage la francophonie. Il avait également rappelé la politique africaine du Maroc, vous l'évoquiez tout à l'heure Naïm Kamel. Il avait dit, nous avons abordé également la politique africaine où le Maroc joue un rôle croissant et nous ne pouvons que nous féliciter de l'entrée du Maroc d'une part à l'Union africaine et prochainement au sein de la CEDEAO et de la volonté affirmée de coopérer avec la France dans la stratégie qui est la sienne, là aussi, de stabilisation régionale. Alors est-ce que tous ces positionnements aussi du Maroc envers l'Afrique, ça suscite aujourd'hui un intérêt peut-être nouveau ou renouvelé de la France ? C'est-à-dire que Paris est en train de prendre acte de la présence marocaine en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et au-delà, les pas qu'elle a engagés en Afrique de l'Est. Donc c'est une présence plus active politiquement, économiquement, culturellement et cultuellement. C'est-à-dire que le Maroc joue un rôle assez important aujourd'hui dans la zone. Et la France, qui a toujours considéré que l'Afrique faisait partie un peu… Enfin, surtout c'était son précaré. Son précaré, pour ne pas parler de chasse gardée. Bon, la chasse gardée a été contestée par le souverain lui-même, en personne, et qu'il y avait de la place pour tout le monde, et que l'Afrique avait besoin des efforts de tous. Donc, c'est bien qu'il ait une approche positive, parce qu'à un moment donné, on se posait des questions. Est-ce que la politique africaine du Maroc n'est pas en train de gêner celle de la France, est-ce qu'il n'est pas devenu concurrent? Bon, on a essayé de creuser ce sillon qui n'a pas beaucoup pris, mais je crois que maintenant, aujourd'hui, on voit qu'il y a peut-être un partenariat commun, ensemble, d'un travail de partenaire à partenaire avec les partenaires africains de l'Afrique et les partenaires africains du Maroc. Aziz Bousta, votre avis sur cette question? Alors je cite juste également une lettre qui a été lue très récemment la semaine dernière à la World Policy Conference qui s'est tenue à Marrakech. C'est une lettre adressée par le président français qui a été lue par l'ambassadeur de France au Maroc, Jean-François Giraud. L'ouverture du Maroc sur le monde, notamment l'Afrique, se renforce chaque année, recoupant les efforts français d'un lien d'intégration plus intense entre l'Europe et le continent africain. On a le sentiment là que le Maroc s'inscrit totalement dans la vision française, en tous les cas c'est ce que dit Emmanuel Macron, d'une stratégie d'intégration du continent africain. Vous savez, il n'y a qu'à regarder une carte, et vous voyez que le Maroc est situé exactement entre l'Afrique et l'Europe. Et donc, pour passer, ne serait-ce que par voie terrestre d'un continent à l'autre, on va passer immanquablement par le Maroc. Donc là, il y a géographiquement, d'une manière tout à fait claire et tout à fait évidente, le rôle de charnière que
que tient le Maroc dans ces questions. Maintenant, pour revenir à ce que disait Naïm, cette prise de conscience des Français sur le rôle du Maroc en Afrique, que joue déjà le Maroc en Afrique, et que pourrait jouer le Maroc pour fluidifier un peu les relations, faciliter les relations entre l'Europe d'une manière générale et la France, en particulier en Afrique, cette prise de conscience est plutôt récente. Je me souviens d'une visite du roi Mohamed VI à Paris, à l'Élysée, je pense que c'était en 2016, où j'avais regardé avec beaucoup de détails les deux communiqués, le communiqué du Palais Royal et le communiqué du Palais de l'Élysée. Quand on parlait, alors à Rabat, on parlait de la relation triangulaire Maroc-France-Afrique. Et dans le même communiqué, la dernière partie en France avait été enlevée et on parlait que de la coopération entre le Maroc et la France. Donc là, avec le président Macron, je crois qu'il y a eu cette prise de conscience, qui est une prise de conscience qui est effectivement récente et opportuniste. Encore une fois, un État a des intérêts. Maintenant, je ne suis pas tout à fait sûr, tout à fait convaincu que la France voit d'un bon œil l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, parce qu'on parle, même si c'est un projet qui pourrait durer une bonne vingtaine d'années, de l'instauration d'une monnaie unique. Vous savez que le franc CFA comporte des conditions et que les réserves des banques centrales africaines sont à la Banque de France. Et vous savez qu'en 2004, il y avait à peu près 80 milliards d'euros africains déposés à la Banque de France, alors que maintenant, ça a fondu comme neige au soleil, il n'y a plus que entre 15 et 20 milliards d'euros. Donc la France ne peut pas voir ça d'un très bon œil. Comme il se trouve que la France a été détrônée en Côte d'Ivoire, par exemple, où le Maroc est le premier investisseur étranger, et ce n'est plus la France. Donc la France est en train de elle a mis du temps à comprendre, parce que la France s'est retirée du fait de la crise de 2007-2008, crise économique est devenue après crise financière, ou l'inverse, et s'est retirée progressivement d'Afrique pour se concentrer un peu sur ses problèmes internes. Et c'est là où le Maroc avait commencé une politique offensive qui n'a été visible que depuis 2011-2012. Et quand la France, comme je vous l'ai dit, en 2015-2016, ne se rendait pas encore véritablement compte de ça, quand elle a pris conscience, bon, on a l'impression que nos amis français courent après quelque part et que le Maroc a une longueur d'avance, parce que si l'Afrique n'est la chasse gardée de personne et qu'elle appartient à tout le monde, elle appartient à ceux qui l'aiment et qui la respectent. On revient au discours de l'Union africaine du roi Mohamed VI. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour les Français, je crois qu'ils ont compris ça et qu'ils suivent. Monsieur Ouellaoui, justement, Emmanuel Macron doit se rendre à Abidjan à la fin du mois pour la rencontre Union européenne-Afrique. Il doit, dans cette même période, prononcer un discours depuis Ouagadougou où il va décliner le volet africain de sa politique internationale. Alors, d'après vous, quels vont être les grands axes de ce volet et surtout, comment la France intègre-t-elle le rôle du Maroc dans cette vision africaine ? Vous rappelez la visite de Macron au Mali. C'est d'actualité la coopération sécuritaire dans cette région de l'Afrique, le Sahel, avec les 5 pays intéressés par le groupe, le G5. Et je pense que la France, le Maroc peuvent coopérer pour cette région, étant donné que c'est une question… – C'est un des grands enjeux, la stabilisation de la région sahélienne. – Des enjeux, bien sûr, la stabilité politique dans cette région très, très instable, comme on dit. Donc je pense que la politique africaine de la France certainement va être exprimée par le président Macron. Après avoir entériné France-Afrique, qui est du passé, et la conférence de Bole, et on s'en souvient, soutien financier contre la démocratisation, la gouvernance en Afrique, tout ça c'est du passé. Maintenant, c'est une nouvelle approche pour les relations entre la France et l'Afrique, et tout le monde souhaite un partenariat triangulaire, tripartite. Pour nous, c'est le partenariat Maroc-France-Afrique, comme c'est le cas pour la Chine, l'Inde, par exemple. Donc je pense que ça va être une rencontre très importante et pour la France, mais aussi pour le Maroc et pour l'Union africaine, puisque le Maroc, après son retour à l'Union africaine et son adhésion à la CEDEAO, certainement, l'impact de cette adhésion va être discuté entre les techniciens, mais comme il y a cette question de monnaie unique de CFA, je pense que tout le monde sera impliqué dans ce débat sur la monnaie unique en plus de la libre circulation des personnes. Donc je pense que tout le monde est intéressé par cette approche africaine et tout le monde souhaite
investir, souhaite bien sûr donner bien sûr un coup de main, comme on dit, pour le développement de l'Afrique dans le cadre de cette nouvelle approche. Le Maroc a opté pour la coopération Sud-Sud, rappelant le discours de Sa Majesté en février 2014 à Abidjan. Il a insisté beaucoup sur cette coopération, sans bien sûr oublier cette coopération Nord-Sud qui, malheureusement, a des limites actuellement. Alors, la visite du Premier ministre Édouard Philippe, résolument placée sous le signe de l'économie, il va présider avec Saad Din Outmani la 13e rencontre de haut sommet. C'est un comité interministériel qui existe depuis 1998 et également un forum économique France-Maroc auquel devraient participer plus de 130 entreprises. Alors, est-ce que la France est aujourd'hui encore, Aziz Boustan, le partenaire privilégié du Maroc sur le plan économique ? Ben oui, écoutez, oui et non. Oui, parce que quand même, il y a la facilité de la langue, de la culture, de l'histoire. Non, parce que la France joue toujours avec l'Espagne pour mais elle occuper, n'a plus la première place pour occuper dans la, les échanges économiques. La première place des échanges économiques. Il y a une alternance. Il y a une alternance, voilà. Les deux voisins du Nord alternent. Une année, c'est la France, une année, c'est l'Espagne. Voilà, et pendant ce temps-là, le Maroc regarde vers son flanc sud. Donc, il y a pas mal de changements qui sont en train de se faire maintenant. Avec une soixantaine de milliers de ressortissants, enfin d'expatriés, comme ils appellent ça, français au Maroc, avec une communauté d'un million et demi de Marocains, avec de Marocains en France, avec 700 et quelques filiales d'entreprises françaises qui sont ici, avec qui emploient à peu près dans les 80 000 personnes. Aujourd'hui, il y a 800 filiales, dont 33 du CAC 40 qui sont présentes au Maroc. Voilà, dont 33 du CAC 40, avec les grands projets qui sont tenus par les Français jusqu'au jour d'aujourd'hui, du moins, avec les trams un peu partout, avec le TGV qui est en train d'être fait. L'automobile. L'automobile, Renault, PSA. Donc effectivement, la France a encore de beaux jours devant elle ici au Maroc et je crois qu'effectivement, elle peut être considérée comme le premier partenaire parce que les Marocains, bon, d'ailleurs on est en train de nous exprimer en français, vous l'aurez remarqué, et donc il y a cette proximité. Maintenant, il y a des changements qui sont en train de s'opérer et c'est ce qu'on appelle les transformations invisibles. Il faut aussi voir ce qui est en train de se passer. Les jeunes Marocains qui sont de plus en plus anglophones, l'Afrique qui rentre de plus en plus dans nos habitudes, dans nos réflexes. Les Marocains qui ont les fameux discours du roi, que ce soit celui d'Abidjan, que ce soit celui de Riyad, où il faut changer les partenaires, et faire évoluer les partenariats, enrichir les partenariats. Donc tout ça pourrait montrer que le Maroc… – Ça questionne les partenariats classiques. – Ça questionne les partenariats classiques qui pourraient être remis en question dans les années à venir, qui sont déjà remis en question s'ils ne sont pas véritablement affirmés. Le meilleur exemple est les études qui ont déjà commencé pour la deuxième ligne de ligne à grande vitesse et qui sont faites par l'entreprise nationale chinoise. – Abdelhafid Walalou, sur ce partenariat économique, vous partagez ce qui vient d'être dit ?– Oui, bien sûr… l'aspect économique est dominant dans les relations exceptionnelles entre le Maroc et la France. Vous rappelez des échanges commerciaux entre les deux pays s'élèvent à 8 milliards d'euros, avec un petit déficit de notre balance commerciale de 24 millions d'euros. Mais je pense que ce sont des relations économiques qui sont appelées à être renforcées davantage avec les conventions qui seront signées lors de cette visite très attendu par… – On prévoit entre 10 à 20 accords signés lors de cette visite. – En plus, bien sûr, l'intervention du secteur privé des deux pays. Et je pense que la présence des RME, 1,5 million, dans une bonne partie des binationaux en France, les transferts de ces RME sont très importants parce qu'ils dépassent les 35% de tous les transferts émis par nos Marocains résidant à l'étranger au niveau mondial, mais aussi cet aspect culturel, puisque nous avons des milliers d'étudiants qui suivent leurs études en France, comme il y a bien sûr cette présence de la mission française avec ses écoles. Et bien sûr, on va y venir dans un instant sur la francophonie, mais on finit juste sur ces enjeux économiques. Est-ce qu'il y a aussi une réorientation des secteurs où la France peut intervenir? Alors, je cite juste l'entourage du Premier ministre Édouard Philippe qui a fait une déclaration hier. L'enjeu est d'aller ensemble vers les nouveaux besoins du Maroc qui veut se développer dans de nouveaux secteurs comme les énergies propres, les transports rapides, domaines dans lesquels les entreprises
entreprises françaises sont bien placées. Est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience ici de la France que tous ces nouveaux secteurs, notamment des énergies renouvelables entre autres, où le Maroc aujourd'hui est devenu compétitif, ça montre qu'ils sont en train de réorienter leur stratégie économique. C'est-à-dire que c'est le Maroc d'abord qui a commencé à réorienter sa politique économique vers des secteurs d'avenir, vers des secteurs prometteurs, mais également des secteurs générateurs d'emplois qui peuvent avoir des retombées sociales assez importantes. C'est comme pour le, je parle particulièrement pour l'automobile. Il y a également l'énergie renouvelable. Le Maroc dispose de, ne dispose pas de pétrole, mais dispose de beaucoup de soleil et qu'il fallait le mettre à profit. Et que aujourd'hui, il y a une technologie de plus en plus avancée pour développer. Forcément, la France est obligée ou est contrainte de suivre cette politique. Elle en a les moyens, même si elle n'est pas seule sur ce domaine. Je crois que elle reste une présence très forte, mais ce qu'il faudrait surtout voir pour l'avenir, c'est que les taux d'intégration de la présence économique industrielle française au Maroc puissent être effectifs et puissent être réels. Merci messieurs, on revient dans un instant juste après cette pause et on revient, restez avec nous. Nous sommes de retour sur le plateau du débrief. Merci d'être resté avec nous. On finit sur le premier sujet de cette émission, la visite du Premier ministre français au Maroc. Alors, messieurs, Édouard Philippe a également prévu de déjeuner avec les élèves de l'ESSEC, une grande école française. Elle fait partie de ce réseau soutenu universitaire entre la France et le Maroc. On rappelle que plusieurs grandes écoles se sont implantées dans notre pays, l'école centrale, l'école des mines ou encore l'INSA. On rappelle aussi que le réseau français au Maroc, c'est 38 écoles françaises, c'est 37 000 élèves inscrits pour cette rentrée 2017. Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur la nécessité de renforcer la francophonie. Là aussi, c'est un enjeu important qui explique aussi ce temps pris par le Premier ministre pour se rendre sur ce campus de l'ESSEC, Aziz Boustan. Vous qui parliez tout à l'heure de cette langue française qui cimente les rapports entre la France et le Maroc. C'est un ciment qui aurait tendance à se fissurer si les Français n'y prennent pas véritablement garde. Parce que, encore une fois, la logique universelle, la logique mondiale va vers l'anglais, tout simplement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a à peu près 35-36 000 jeunes marocains qui sont inscrits dans les écoles françaises, mais il y a toujours autant d'écueils, il y a toujours autant de difficultés à y accéder, c'est très cher, les parents se plaignent, et donc ça n'arrange pas tellement les choses pour la suite, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir uniquement un bac, mais il s'agit aussi d'étudier pour rester dans la francophonie, d'étudier dans des écoles françaises, que ce soit en France ou que ce soit ici. Alors il y a des délocalisations qui sont assez importantes, il y a l'ESSEC, il y a Centrale qui sont ici au Maroc, et il y a une politique qui est en train de, comme je le disais tout à l'heure, il y a le président Macron qui a commencé à comprendre ce danger, d'où les changements qui sont en train de s'opérer. Mais immanquablement, quand on voit ce qui se passe dans nos villes, dans nos familles, on voit qu'il y a quand même un recul du français, mais pas uniquement au Maroc, mais il y a un recul du français un peu partout dans le monde. C'est vrai qu'il y a une Marocaine, une franco-marocaine, et la Slimani qui a été nommée représentante personnelle du président français pour la francophonie. Pour la francophonie. C'est vrai qu'il y a aussi une Marocaine qui est à la tête de l'UNESCO maintenant. Mais bon, si la francophonie ne se reprend pas sérieusement, elle va reculer.
Naïm Kamel, sur cet enjeu de la francophonie, qui est au centre des préoccupations d'Emmanuel Macron, et il en a parlé très rapidement après son élection. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire à Aziz. Effectivement, la francophonie est en net recul au Maroc, et ça ne date pas d'aujourd'hui, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a eu un retrait de la coopération technique dans le cadre de l'enseignement dans les années 70, et un retrait brutal qui a provoqué dans son sillage la marocanisation et l'arabisation. Donc déjà, au niveau de l'enseignement marocain, qui avant la mi-année 70 produisait autant de francophonie que l'enseignement français. L'enseignement français lui-même, d'ailleurs, qui est une cause d'un problème de justice sociale au Maroc et de qualité d'enseignement pour les Marocains. Et à la limite, on se demande s'il n'est pas quelque part responsable aussi, ou il a sa part de responsabilité aussi, dans la dégradation et de la qualité de l'enseignement marocain. C'est essentiel, car tous les responsables marocains qui sont dans des postes sensibles ont mis leurs enfants dans ces écoles françaises, parfois américaines, maintenant espagnoles, de telle manière qu'ils sont devenus insensibles à la dégradation parce que ça ne les touchait pas dans leur chair. Et donc, il y a ce recul et il y a ce problème. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'élargir. Il y a eu également, d'abord, l'enseignement français, la mission qui était à une époque gratuite pour beaucoup de catégories de Marocains, est devenue un enseignement payant, puis un enseignement payant de plus en plus cher. Aujourd'hui, il est carrément hors portée de la moyenne des Marocains. Et c'est normal que ça participe au recul de la francophonie au Maroc, même si les élites, mais pour combien de temps encore, continuent à utiliser le français comme langue de travail, comme langue d'expression, comme langue d'échange, etc. Et là, c'est bien que des universités s'installent ici ou des écoles françaises s'installent ici. C'est un remède, une solution également, parce que la France non plus ne veut plus accueillir les étudiants marocains en France. Donc, bon, au lieu de faire venir les étudiants, on va leur envoyer les enseignants et les programmes. Je ne sais pas si vraiment à terme ou à moyen terme, le Maroc ne devrait pas faire comme tout le monde, parce que c'est une question d'intérêt et se convertir progressivement à l'anglais, parce que c'est quand même la langue universelle. – Alors, une dernière question, messieurs, sur un volet qui est plus diplomatique et notamment sur la question de la position aujourd'hui de la nouvelle administration française sur la question de l'intégrité territoriale marocaine. Je rappelle les propos qu'avait tenus le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian début octobre, le 9 octobre, lorsqu'il était venu au Maroc. Alors voilà ce qu'il avait affirmé. Sur la question du Sahara, il affirmait que, je cite, « la posture de la France est permanente » et que la France, je cite, « a déjà déclaré que le plan d'autonomie initié par le Maroc était une bonne base de négociation. Nous pensons que le secrétaire général des Nations Unies a peut-être l'opportunité, à partir de cette base, de prendre les initiatives nécessaires. Naïm Kamel, un mot sur cette position de la diplomatie française. C'est une diplomatie qui ne date pas d'aujourd'hui, ni de François Hollande, ni... On a eu des difficultés au début avec François Mitterrand, puis avec Jospin. Sinon, généralement, la diplomatie française sur ce point-là a toujours été équilibrée, peut-être un peu en penchant vers le Maroc, notamment lorsqu'il y a eu ce plan d'autonomie qui a permis à tout le monde un peu de souffler et de dire, bon, il n'y a pas d'issue, il y a une troisième solution, elle est proposée, et il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, on le sait, les Algériens accusent clairement et publiquement la France d'être la source de blocage au niveau diplomatique des résolutions de l'ONU ou du Conseil de sécurité. Ce qui n'est pas entièrement faux, mais ce qui n'est pas entièrement vrai non plus. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on est en train de voir quelque chose d'évoluer dans la position algérienne. Il y a, je crois, deux jours, si je ne me trompe, la quatrième session de la commission économique mixte franco-algérienne où s'est rendu Jean-Yves Le Drian. Et
on a entendu un son de cloche, ils disent « bon, la France est responsable » et par voie de presse. Et en même temps que l'Algérie allait faire savoir que la question du Sahara faisait partie de sa sécurité intérieure et qu'ils allaient évoquer ce sujet avec le Maroc et pas seulement. Donc ils ont dit également que ce n'est pas seulement une question de principe, c'est-à-dire cette litanie qui nous a servi depuis des années, on dit nous sommes pour le principe d'autodétermination des peuples, le droit à l'indépendance, etc. etc. Ils disent non, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi aujourd'hui. Donc ils sont en train, tant mieux, ils sont en train de s'immiscer directement dans ce conflit et de montrer leur vrai visage. Mais on voit encore que la France est sollicitée. Elle est sollicitée par le Maroc, mais elle est également sous pression permanente de l'Algérie. Hafid Walalou, sur cette question, pour conclure ce sujet. Je pense qu'à l'occasion des rapports du Conseil de sécurité, tous les mois d'avril de chaque année, la France exprime sa solidarité avec le Maroc, son soutien à la proposition marocaine d'autonomie des provinces du Sud. En plus de cela, je pense que la France joue un rôle très important au niveau du Parlement européen. À chaque fois qu'il y a eu un problème au niveau de l'accord de pêche ou agricole, la France, bon, bien sûr, il y a l'Espagne pour des raisons que nous connaissons, surtout l'accord de pêche qui les intéresse, mais la France se mobilise et mobilise ses eurodéputés pour appuyer la position marocaine pour l'intégrité territoriale. Et je pense que ça, c'est un point très important. Il faut le lier aussi à cette coopération sécuritaire, où c'est dans cette région du Sahel… – Le Maroc est partenaire au niveau de la logistique, au niveau de la formation. Et je pense que le groupe du G5, les cinq pays intéressés par cette coopération sécuritaire, le Maroc et la France vont certainement coopérer d'une manière très importante pour… essayer de sortir cette région de l'instabilité connue. Aziz Boustam, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, moi je pense que dans cette question de l'intégrité territoriale du Maroc, la France balance entre le cœur et la raison. Je vais essayer d'être clair, le cœur va pour l'Algérie, pour l'ancienne, la grande histoire commune qu'ils avaient, que l'Algérie et la France ont eu ensemble, et puis il y a la raison aussi. La raison, c'est d'abord la justesse de la cause nationale. Je ne dis pas ça parce que je suis marocain, mais on revient à l'histoire pour voir ce que c'est. La raison, c'est aussi tous les avantages que procurent les Marocains aux Français, au niveau de la sécurité, au niveau du développement, au niveau de l'entreprise, au niveau économique, à tous les niveaux possibles et imaginables, et que la France essaye de tenir un peu un jeu d'équilibrisme, comme disait Naïm tout à l'heure, et qu'il arrivera à un moment tôt ou tard où tout le monde, tout ce moment, trouvera devra prendre un moment ou un autre une décision. Les paradigmes internationaux changent, les conditions, les contextes régionaux évoluent, il n'est plus possible de rester à traîner dans ces affaires-là. Et les Français, il y a déjà des voix qui commencent à s'élever pour dénoncer l'attitude algérienne, qui est l'une des premières entre elles et celle de l'ONU, hein, je ne veux pas dire le secrétaire général, mais celle de l'ONU, où on dit que ces pays doivent s'impliquer pour régler ce problème, parce que à supposer même que les Algériens veuillent aller vers un référendum, ils commencent déjà par être cohérents en organisant un recensement, qu'on sache qui va voter, si un jour quelqu'un doit voter. Donc il y a une incohérence totale, d'un côté, ça me coûte un peu de le dire, mais pratiquement une quasi-faillite de l'État algérien qui fait tourner maintenant sa planche. Et de l'autre côté, un pays qui est le Maroc, qui a ses problèmes, et Dieu sait qu'il y a des problèmes économiques, mais qui est un pays qui est en train d'avancer, tant sur le plan interne que sur le plan régional et continental. Il arrivera un moment où les Français en particulier et les autres du Conseil de sécurité devront trouver une solution à cette question. Et je pense que vu le libellé de la résolution 2351, la dernière résolution, je crois que les choses vont accélérer maintenant. – Merci messieurs pour ce premier
premier volet, pardon, dédié donc à la visite du Premier ministre français au Maroc. On passe au deuxième sujet international avec la démission de Saad Hariri. Alors juste un rappel rapide des faits, le Premier ministre libanais avait annoncé le 4 novembre dernier sur la chaîne Al Arabiya et depuis la capitale saoudienne Riyad sa démission. Ce dimanche, il a reparlé, il s'est réexprimé pour la première fois sur la télévision de son parti, la chaîne Futur, la chaîne du futur, pardon, décidément. Et il a donc annoncé ce dimanche qu'il était libre de ses mouvements et qu'il comptait bien se rendre au Liban pour donner et officialiser sa démission auprès du président Michel Aoun. Alors, est-ce qu'il a réussi à convaincre les gens? Et surtout, est-ce qu'il s'agit de la liberté de mouvement de Saad Hariri ou de la liberté politique d'agir du Premier ministre Saad Hariri, sa liberté de décider selon un agenda libanais et non pas un agenda étranger? Est-ce que sur ce volet, il a réussi à convaincre, selon vous, Naïm Kamel? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression parce que, d'abord, on est dans une forme de confusion totale, mais qui est également claire. Parce qu'on sait, on connaît les intérêts en jeu. On sait que, par exemple, juste avant qu'il ne soit convoqué à Riyad, Saad Hariri avait tenu une réunion avec le ministre saoudien chargé des pays du Golfe et du Liban, qui est une curieuse appellation. Et il venait de rencontrer aussi, on le rappelle, le conseiller pour les affaires internationales du guide suprême iranien Ali Khamenei, Ali Akbar Velayati. Il l'avait rencontré quelques heures avant de partir à Riyad. Alors là, tout le monde dément tout le monde. Il y a Velayati qui dit que tout s'est bien passé avec lui, mais je reviens. Mais il y a eu un démenti du parti de Saad Hariri disant qu'en aucun cas Saad Hariri n'avait affirmé sa sympathie ou sa compréhension envers l'Iran. Envers l'Iran. Donc il y a aujourd'hui, je crois, on est en train de jouer un grand poker menteur dans la région. On sait que les rapports de force, on sait que Hariri ne peut pas rester otage en Arabie Saoudite, il ne peut pas rester. Le mot est fort. Peut-on utiliser un autre mot ? C'est la réalité. Peut-on utiliser un autre mot ? Parce que voilà un Premier ministre, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Qui annonce sa démission depuis un pays étranger. Depuis un pays étranger, alors qu'il était libre chez lui, qui a été convoqué. C'est-à-dire que le voyage n'était pas prévu. Il a été convoqué à Riyad et qui a annoncé sa démission à partir de Riyad. Depuis deux jours, il dit qu'il va revenir, mais qu'il ne revient pas. C'est-à-dire que qu'est-ce qui l'empêche de revenir ? Général Aoun qui dit que il est prisonnier, qu'il n'est pas libre de ses mouvements et qu'il a été retenu, non pas dans sa résidence habituelle en Arabie Saoudite, mais dans le fameux hôtel Carlton où sont détenus les hommes d'affaires et les ministres, puis auparavant les princes qui avaient été arrêtés pour corruption. Donc il y a une situation qui ne présage rien de bon pour la région. On sait qu'il y a un axe, d'ailleurs, qui a été dit par Velayati, c'est Téhéran, Damas, et qui veulent Hezbollah, et qu'ils avancent jusqu'à la Palestine. On sait que de l'autre côté, il y a l'Arabie saoudite et toutes les alliances sunnites. On sait également que récemment, le Bahreïn a accusé l'Iran d'avoir saboté un pipeline saoudien pour arrêter le processus. Donc, il y a une situation, disons, de pré-conflit. Alors, est-ce que ces ingérences extérieures, alors Naïm Kamel semble prôner l'idée qu'elles peuvent mener au pire, mais est-ce que là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est quand même une réaction unanime des Libanais et également des politiques libanais qui sont unis autour du désir de retour de Saad Hariri. Le Hezbollah l'a demandé, ce qui est assez étonnant quand on sait qu'en 2011, c'est eux qui ont dissous le gouvernement de Saad Hariri et qui l'ont contraint à démissionner et à partir. Donc, le Hezbollah aujourd'hui demande son retour. Est-ce qu'au contraire, ça ne peut pas être aujourd'hui le signe d'une unité du Liban ? Aziz Boustan. De Gaulle disait que c'est Orient compliqué.
effectivement, c'est compliqué, c'est même ahurissant ce à quoi on a assisté. Hein. Alors, il faut savoir que Saad Hariri est saoudien. Il a une double nationalité, il est saoudien. Il est né en Arabie saoudite. Il a donc la nationalité, la citoyenneté saoudienne. D'ailleurs, on l'a vu quand il a salué le roi Salman, il lui a embrassé très poliment, respectueusement à l'épaule. Il était en Arabie saoudite à Riyad quelques jours avant, puis il a été reconvoqué, confiscation de téléphone. Ses finances sont en Arabie saoudite. Toutes ses finances, enfin ce qui reste de ses finances aussi, parce qu'il faut savoir que… Le groupe créé par son père est en mauvaise posture. Ils sont pratiquement ruinés parce que Saad Hariri, tout le monde se gargarise de Saad Hariri, mais Saad Hariri est quelqu'un qui a mal géré les affaires, l'affaire familiale, il a mal géré aussi sa primature au Liban, et que quelque part, les Saoudiens qui sont dans une logique de refonte totale avec le prince héritier Mohamed bin Salman, les Saoudiens n'ont pas apprécié, ils veulent changer, ils veulent remodeler, veulent une nouvelle donne. Alors le problème qui existe actuellement, c'est que… De toutes les décisions qui ont été prises par Mohamed bin Salman et qui relèvent de la politique intérieure, ça les concerne. Mais dans cette affaire-là, où Saad Hariri a été entendu par les enquêteurs au fameux hôtel Carlton, et qu'il pourrait être poursuivi pour complicité de corruption, enfin pour des choses internes, il y a la Convention de Vienne qui protège les chefs d'État et les chefs de gouvernement étrangers. Aucun chef d'État, aucun chef de gouvernement d'un pays ne peut être inquiété dans un État tiers. Ça, c'est la Convention de Vienne qui le dit. Et donc, les Saoudiens seront obligés de lâcher du lest. Première chose. Et deuxième chose, c'est qu'ils sont arrivés finalement, les Saoudiens, en faisant ce qu'ils ont fait, et qui est encore une fois ahurissant, à souder tout le monde au Liban. Alors, bien entendu, le Liban est une mosaïque de culture, est une mosaïque de religion, est une mosaïque de beaucoup de choses, de confessions, mais il y a une union sacrée autour du fait qu'il y a une humiliation qu'on ne peut pas accepter. Et donc, on attend le retour de Saad Hariri. Maintenant, ce qui va se passer avec le Hezbollah qui soutient le général, qui a soutenu le général Aoun, lequel général Aoun n'était pas tout à fait d'accord avec les Syriens. Oui, Michel Aoun est un allié stratégique du Hezbollah depuis 2006. Depuis 2006, il ne l'était pas avant, parce qu'avant, il n'était pas très ami avec les Syriens, qui sont eux les alliés objectifs du Hezbollah, parce qu'il y a l'Iran, c'est ce que disait Laurent compliqué, c'est très très compliqué. Personne, personne ne peut savoir ce qui va se passer dans les jours qui vont venir. Finalement, cette démission laisse le champ libre. Enfin, permet d'abord cette union des Libanais et puis laisse le champ libre aussi à une certaine montée en puissance du Hezbollah aujourd'hui. Donc finalement, ça va contre les intérêts des sunnites. Donc au final, on se pose la question, mais quel est l'intérêt des Saoudiens si finalement ça permet cette montée en puissance des chiites et du Hezbollah, Abdelhafid Walalo ? Tout le monde est intéressé par le Liban, y compris la France. Oui, qui est intervenu, puisque Emmanuel Macron s'est exprimé. Le ministre des Affaires étrangères à Paris dernièrement. Gebran Bassil. Yves Le Drian va partir à Riyad. Après le. Ce soir. Oui. Donc, et puis un communiqué de l'Élysée hier, mardi 14 novembre, a déclaré le souhait que Saad Hariri puisse rentrer au Liban. C'est une région et c'est une géopolitique compliquée. Très compliquée dans cette région, puisque vous avez le dossier syrien, le dossier irakien, le Yémen. Mais pour revenir à la position de l'Arabie saoudite, qui serait donc en train de viser directement l'axe Téhéran-Hezbollah, qu'est-ce qu'ils y gagnent finalement, puisque si on malheureusement, l'Arabie saoudite a ouvert plusieurs fronts à la fois. Il y a le front du Yémen, avec une alliance qui regroupe plus de 35 pays, y compris le Maroc. C'est une alliance qui a malheureusement tourné ailleurs. Et que, bien sûr, l'Arabie saoudite, avec le jeune prince Salman, qui a pris des mesures, il faut le dire, qui ont compliqué la situation et en Arabie saoudite et dans la région, et a ouvert un front direct avec l'Iran. Et je pense que M. Saad Hariri, en démissionnant, a donné deux raisons. La première, c'est qu'il a parler de menaces sur sa vie, comme ça a été le cas pour son père Rafiq Hariri, assassiné en février 2005. Et juste après, en avril 2005, les troupes syriennes ont quitté le Liban sur décision des Nations Unies. Donc il faut faire, un rappel historique de cette situation très compliquée, relation entre le Liban, l'Arabie saoudite qui était intervenue pour l'accord de Taïf,
tout le monde s'en souvient, pour sortir de cette crise qui a duré plusieurs années au Liban. Et puis, bien sûr, la deuxième raison, c'est l'intervention de l'Iran dans les affaires de la région, y compris au Yémen, en Arabie Saoudite, au Bahreïn, comme ça a été dit par mon ami Kamal, et au Liban, à travers le Hezbollah, qui a été... qui a été constitué en 1982 et qui est considéré par les États-Unis, l'Union européenne et l'Arabie saoudite comme une organisation terroriste. Et je pense que ça complique un peu. Hezbollah domine le sud du Liban. C'est un parti plus des milices. C'est un parti et une milice, et c'est le seul parti libanais à avoir gardé ses armes depuis la fin de la guerre civile. Sa démission, c'est pour envoyer un message politique à tous les Libanais. Alors, il nous reste. Il y a danger dans la maison. Il nous reste trois petites minutes pour conclure sur ce sujet. Alors, juste, on ne peut pas faire des pronostics sur l'avenir, mais quels scénarios peuvent se dégager? Est-ce que cette démission de Saad Hariri peut servir de signal d'alarme, comme vient de le dire M. Walalou, pour le Liban, en disant, attention, le compromis politique sur lequel on s'est engagé il y a un an, en octobre 2016, lorsque le gouvernement libanais a été, et dans la douleur, constitué, ce compromis politique qui repose sur le fait que le Liban reste éloigné des axes et des conflits régionaux, eh ben, il faut le protéger, il faut le maintenir et que ça puisse servir de rappel. Ou est-ce que ça peut aller plutôt vers une crise ouverte et vers un conflit ouvert entre l'axe Téhéran-Hezbollah et puis la Syrie de Bachar el-Assad et puis tous les alliés de l'Arabie saoudite? C'est un compromis qui a été fragilisé par cette démission. Et la situation. Vous pensez que ça le fragilise? Ça le fragilise. Même si aujourd'hui, d'une guerre froide entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Mais même si aujourd'hui le Hezbollah appelle au retour de Saad Hariri pour refonder le pacte libanais autour de ce compromis. Est-ce que c'est pas une feinte? C'est pas une... Hezbollah, tactiquement, il domine l'actuel gouvernement. Il fait de la politique. On ne peut pas accepter que le chef du gouvernement, le premier ministre de son pays, soit incarcéré ou arrêté ou inquiété ailleurs. Donc le Hezbollah surfe sur une vague qui est une vague logique. Vous nous ramenez notre Premier ministre et on discutera après. Maintenant, pour le fameux pacte national, que ce soit celui de 89 ou de 1943, on se retrouve avec un chiisme qui est en train de gagner quelque part une grande partie de la bataille. C'est ce qu'a voulu reprendre quelque part Mohamed Ben Salman, mais il a très mal fait. Alors quand on voit que dans la constitution très rapidement libanaise, le chef de l'État doit être chrétien maronite, et c'est le cas, mais il soutient le Hezbollah, que le gouvernement doit être tenu par dirigé par un musulman sunnite, mais qui a accepté le Hezbollah, que le chef du le parlement doit être un chiite, que les alawites syriens sont encore là, que les irakiens sont devenus chiites, et que le donc, en fait, ils sont en train de perdre. Je comptais sur vous pour simplifier les choses, mais c'est raté. Mais je vous avais dit, au rien compliqué. Dernier mot, Naïm Kamel, on a déjà fini, mais je vous laisse quand même un dernier mot très rapidement. Je vais vous dire deux petites choses. La première chose, c'est que le Liban est habitué à vivre dans l'instabilité depuis des décennies. Rappelez-vous qu'après, avant Hariri, il a vécu pendant des années sans président. Sans président, bien sûr. Donc, c'est une situation qui ne lui est pas étrangère. Ensuite, pour résumer. Très rapidement, s'il vous plaît. J'ai lu quelque part une phrase que j'ai notée. Tout le monde appelle au Liban à la non-ingérence et tout le monde en fait. Merci Naïm Kamel pour ce mot de la fin qui pour le coup est très clair. Merci messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Je vous remercie de nous avoir suivis. Restez sur Médian TV, la suite de l'information dans un instant. Et quant à nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau débrief.